Pour accompagner cette augmentation de taxes foncières, qui est un effort conséquent que nous demandons aux Grenoblois et Grenobloises, nous avons décidé de mettre en place un bouclier social et climatique qui permettra d'ouvrir des nouveaux droits et de favoriser la transition dans la ville. Ce bouclier, il est budgété aujourd'hui à 11 millions d'euros environ. Il contient des mesures fortes pour les trois postes de dépenses les plus importants des ménages, les mobilités, l'alimentation, le logement. Et nous sanctuarisons donc 2 millions par an pour chacun de ces postes de dépenses. En plus de ça, il y a 5 millions qui vont être sanctuarisés également par an pour développer des nouveaux droits aussi sur la culture, la santé, pour accompagner les acteurs de l'éducation populaire, les acteurs dans les quartiers populaires également. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir un bouclier qui accélère les transitions, qui renforce la justice sociale et qui renforce aussi le service public dans tous les quartiers de la ville auprès de tous et toutes les Grenoblois que nous touchons. Et c'est vraiment le sens de notre action. Cette augmentation de la taxe foncière, elle est aussi là pour créer de nouveaux droits et de nouveaux projets pour la ville.